Salut, hôtel, silence, c'est de ma malité. On chante en voyant, c'est Ali, Lady, Tata, l'idée. Eli et Alima, tous deux en classe de CP2, cours préparatoire deuxième année au groupe scolaire banco-japonais d'Abobo. Ils ne pourront pas chanter l'abidjanaise, hymne national de la Côte d'Ivoire, ce lundi matin. Le drapeau de leur école est resté coincé du fait de la forte pluie de la veille. Une situation loin de décourager encadreurs et élèves. Le pays nous appelle. Ce lundi, on n'a pas pu saluer le drapeau compte tenu de la pluie et puis aussi on a eu un problème aussi au niveau du drapeau. Si au groupe scolaire banco-japonais, la montée du drapeau a été difficile, ce n'est pas le cas dans ce collège semi-privé. Ici, comme tous les lundis, élèves, enseignants, encadreurs et directeurs se retrouvent dans la cour de l'école pour la montée du drapeau. Le collège Saint-Pierre-Charles salue le drapeau tous les lundis. Nous montons le drapeau et tous les vendredis, nous descendons le drapeau. Très important parce que les enfants, aujourd'hui élèves, ils sont la relève de demain. Donc il faut leur inculquer certaines vertus pour qu'ils puissent grandir avec ces vertus-là. À tous nos amis élèves, étant en Côte d'Ivoire, qu'ils soient capables de pouvoir connaître la bidjanaise. Parce qu'à travers la bidjanaise, l'homme peut être instruit. Après le salut aux couleurs dans cet établissement secondaire, direction l'école normale supérieure située à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il est un peu plus de 7h45 quand nous arrivons sur les lieux. Le drapeau flottait sur le mât. Ici, la montée du drapeau s'est faite tous les premiers lundis du mois. Il importe que ceux qui vont aller professer dans les contrées éloignées d'Abidjan puissent rapporter avec eux les valeurs citoyennes et les diffuser auprès de leurs enseignés. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Pour nous, Ivoiriens, ces paroles, c'est une identité. Le salut aux couleurs, une occasion pour les responsables des différents établissements scolaires de passer des messages aux apprenants. Cette institution qui s'impose à nous chaque premier lundi du mois est un sacerdoce. Il faut rappeler d'abord aux étudiants et aux travailleurs de l'école normale supérieure leur mission au niveau de l'État de Côte d'Ivoire et au niveau de leur personne elle-même. Nous saisissons l'opportunité pour véhiculer le message à tous les enfants, leur donner une orientation de la semaine et faire respecter les instructions ministérielles. Pour de nombreux responsables d'école, il faut inculquer aux apprenants l'importance du salut aux couleurs afin de faire d'eux des citoyens responsables, consciencieux, respectant les lois, les valeurs et les institutions de la République.